Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un auteur inédit sur notre chaîne, Jacques Carbou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez publié chez nos camarades les éditions du Verbe Haut, donc nos amis de Nancy, de la librairie des Deux Cités à Nancy, que nous saluons, le camarade Sylvain Durin et ses camarades. Ils viennent de publier La critique sociale de Raymond Ruyer. Ruyère, pardonnez-moi. Alors, Raymond Ruyer, quand j'ai vu l'ouvrage, disons en suggestion sur le site de Sylvain, il était en précommande à l'époque. Eh bien, ça m'a replongé dans de vieux souvenirs au sein de ma bibliothèque, dont vous voyez une partie derrière moi. Oui. Et c'était les fameuses collections vertes, qui étaient les collections Liberté de l'esprit du temps de la guerre froide. Exactement. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait du Jacques Ellul dedans, il y avait du Raymond Aron, l'opium des intellectuels est sorti là-dedans. Il y avait également Brzezinski, l'un des premiers Brzezinski est sorti dedans. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, bon, l'époque que j'étais libraire, et j'avais pu trouver quelques anciens ouvrages de Raymond Ruyer, ce rôle, moi, ça m'était resté comme un souvenir. La gnose de Princeton. Bon, je me suis tout de suite intéressé à votre ouvrage, professeur, parce que vous êtes un des anciens élèves de Raymond Ruyer. Vous avez enseigné la philosophie dans différentes facultés à l'étranger, particulièrement en Amérique latine. Oui. Et vous avez signé cet ouvrage, La critique sociale de Raymond Ruyer, et qui révèle en réalité un penseur. Qui devrait survivre à l'oubli. Et j'espère que notre émission va y aider. Je vous remercie beaucoup de nous accorder votre temps pour présenter cet ouvrage. Non, c'est moi qui vous remercie. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, alors, j'ai écrit ce livre sur la critique sociale de Raymond Ruyer parce que, comme vous disiez, Ruyer n'est pas assez connu, en particulier auprès du grand public. Il était connu de quelques universitaires, dans les cercles académiques, on le connaissait, mais son œuvre n'avait jamais vraiment réussi à sortir de ce cercle-là. Il a été lu par des gens importants, mais il n'avait pas une réputation, il n'était pas considéré comme alors que c'est un philosophe important du XXe siècle. Je pense qu'il était important. Alors, sur Raymond Ruyer, on a publié beaucoup de choses sur, disons, sa philosophie, je dirais, scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire une philosophie où il s'intéresse aux problèmes scientifiques, la physique, la biologie, et il voit les répercussions sur la philosophie, c'est-à-dire en quoi la philosophie doit changer en fonction des avancées scientifiques. Et ça, vous citiez la gnose de Princeton, on peut dire que la gnose de Princeton est en fait, sous un titre un peu vendeur, on va dire, entre guillemets, c'est ce qui explique en partie le succès de ce livre en librairie, enfin, il a été très commenté. Mais en fait, Ruyer, alors c'était le côté gnose, Princeton, ça semblait. Et en fait, Ruyer utilise ce livre pour faire passer ses propres idées. La gnose de Princeton sort, si je me souviens bien, en 1974. Lorsqu'elle sort, Ruyer est presque à la fin de sa carrière, disons, universitaire. Et ses idées n'ont pas été connues. Donc, il trouve ce subterfuge de cette gnose de Princeton pour faire passer une partie de ses propres idées. Ce qui fait que, probablement, la gnose de Princeton a été mal lue parce qu'il fallait
connaître un peu Ruyère pour bien rentrer dans le livre, pour bien comprendre le livre. Il y a eu pas mal de contresens ou de malentendus à la lecture de ce livre. En particulier, je le cite dans le livre, Louis Powells avait écrit à l'époque que la Gnose au Princeps était la suite du Matin des Magiciens. Or, ça n'a rien à voir. Enfin, autant le Matin des Magiciens était... Ruyère l'avait traité dans un article antérieur, au moment où sortait le livre, que c'était un livre spéculativement un peu malhonnête, pas très honnête. Alors donc, le Matin des Magiciens n'a rien à voir avec la Gnose de Princeton, parce que la Gnose de Princeton est une sorte de synthèse de ses propres idées. D'où les malentendus là-dessus. Et donc, tout ce qui se lit, tout ce qui s'écrit sur Ruyère concernait principalement, depuis il y a quelques revues philosophiques qui publient des articles sur Ruyère, des discussions sur sa pensée, concernait principalement les thèses philosophico-scientifiques, on va dire, de Ruyère. Or, jusqu'à présent, la critique sociale n'a jamais été abordée. Alors, pour plusieurs raisons, je pense. La première de ces raisons est que, comme m'avait dit un assistant de Ruyère, il m'avait dit, bon, la critique sociale de Ruyère, c'est pas ce qui restera le plus dans l'œuvre de Ruyère. Et bon, j'étais à peu près d'accord. Enfin, disons que c'est vrai. Sauf que, lorsque j'ai publié ce livre est le résultat d'une thèse de doctorat, et je lui avais envoyé le manuscrit avant la soutenance de thèse pour savoir ce qu'il en pensait, et il m'a dit, à mon grand étonnement, je sous-estimais la critique sociale de Ruyère et vous a fait rectifier là-dessus. J'ai découvert que la critique sociale de Ruyère, c'était important. Alors pourquoi elle est importante, cette critique sociale? C'est parce que elle est liée à sa philosophie. C'est-à-dire, vous avez une philosophie unie à la science. Comme lui disait, il voulait unir la philosophie à la science, que les philosophes devaient réfléchir, comme je disais, sur les avancées scientifiques, en physique, en biologie, en cosmologie, et pour intégrer tout ça dans leur pensée, dans leur métaphysique, ou sans mélanger métaphysique et science. Ça, c'est... Mais la critique sociale découle en partie de cette philosophie, dans la mesure où elle s'articule, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, sur la théorie des valeurs. Ruyère présente les valeurs et une théorie des valeurs assez originale, qui n'a pas été non plus très étudiée. Et cette théorie des valeurs articule la philosophie qui réfléchit sur les sciences et la critique sociale. C'est-à-dire que de la philosophie sur les sciences, on a les valeurs, théorie des valeurs, qui serait l'articulation, le nœud, et ensuite, comment on pense la société, comment on pense l'homme dans la société, éventuellement, comment on pense la politique, à partir de c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction pour Ruyère. Alors, autre remarque, c'est Ruyère lui-même qui appelait ses livres de critique sociale. Alors bien sûr, j'essaie de montrer que la critique sociale de Ruyère n'est pas la critique sociale au sens où on l'entend aujourd'hui, surtout, disons que les gens qui, après Bourdieu, pensaient faire de la critique sociale, le livre de Bourdieu « La distinction », qui est publié, si je m'abuse, en 1979, s'appelait une critique sociale du jugement. Ruyère ne s'inscrit pas du tout dans cette critique sociale qui est une critique de la domination, de l'exploitation, donc, en gros, on va dire une critique marquée à gauche, hein, très, très à gauche parfois, et qui est une critique de la société, mais pour détruire toutes les constructions de la société. Ruyère ne passe pas par ça, et je crois que l'intérêt aussi de Ruyère, c'est de montrer qu'on peut faire une critique sociale qui ne soit pas de gauche. C'est-à-dire que les sociologues qui ont tendance à confondre leur métier de sociologue et une activité militante se trompent, et Ruyère montre qu'on peut faire une critique sociale
qui ne soit pas avec des références de gauche ou qui ne s'autorise pas d'être dans le camp du bien, dans le bon camp, pour pouvoir critiquer la société. Alors, cette critique sociale, bon, j'ai pensé que c'était un aspect important, et donc c'est le premier livre, à ma connaissance, qui sort sur, étudie cet aspect, analyse qu'est-ce que c'est que la critique sociale. Et comme je disais, Ruyère lui-même appelait ses livres, alors à partir de les trois livres que vous avez cités, qui ont été publiés dans la collection de Raymond Aron, La liberté de l'esprit, c'est-à-dire L'éloge de la société de consommation en 1969, Les nuisances idéologiques en 1972 et La nutrition psychique. Et j'essaye de montrer que ces trois livres publiés dans la collection de Raymond Aron sont en fait le cœur de la critique sociale de Ruyère. Mais que cette critique sociale ne date pas de cette époque-là. Alors je résume, enfin je vais faire une petite présentation rapide des trois livres dont vous avez parlé, que vous avez mentionné. Le premier, c'est « Éloge de la société de consommation » écrit en 69. C'est une réaction à mai 68. Ruyère a vécu, mais nous avons vécu, j'étais son élève, mai 68 sur le campus de la Fac des Lettres de Nancy. Et Ruyère était impressionné, il a voulu analyser quels étaient tous ces, disons, ces délires. Comment expliquer ? Alors, Ruyère n'est pas le seul. Il y a eu, justement, Raymond Aron avait écrit sur le vif, à chaud, La révolution introuvable, où il cherchait, la thèse de Aron était très simple, il disait, on a voulu faire la révolution, on n'a fait qu'une pièce de théâtre. Enfin, c'était pour lui, mais 68, c'était du théâtre. Ruyère analyse un petit peu plus. Il dit, dans mai 68, il y a une révolte contre la société de consommation, et une révolte, en gros, contre l'économie. C'est-à-dire que beaucoup d'intellectuels qui prennent des poses plutôt esthétiques se révoltent contre l'économie. Et il dit la révolte contre l'économie, Ruyère explique que c'est quelque chose qui est vieux comme presque comme le monde, comme les sociétés antiques, où il y a toujours eu des gens qui se sont révoltés contre, enfin révoltés, ou qui se sont opposés, ou qui sont des marginaux, qui se mettaient en dehors des processus économiques. Alors il donne plusieurs exemples dans ce livre de cette forme de révolte contre l'économie. Pourquoi ? Bah parce que simplement l'économie, c'est le règne de la nécessité, on est obligé de travailler. Et donc, c'est pas réjouissant, c'est pas quelque chose qui peut emballer, l'économie c'était pas... Donc on critique l'économie sous forme de aliénation, le consommateur est aliéné, sous forme d'exploitation, il est exploité. Et Ruyère montre que ces critiques de gauche, disons, parce qu'elle trouvait ses origines dans une analyse marxiste, il dit, lui, ça ne tient pas, on ne peut pas tenir ça. Tenir ce genre de propos, c'est un peu court comme explication. Et donc, il décide d'écrire ce livre au titre provocateur, Éloge de la société de consommation. Et c'est Aron qui a proposé ce titre. Ruyère voulait un titre beaucoup plus neutre, du genre économie et société, enfin quelque chose de très, très neutre. Et Raymond Aron lui propose ce titre plus vendeur. Et effectivement, il y a eu un certain succès. Ça n'a pas eu le succès de la gnose de Princeton, mais il commence à avoir une petite notoriété hors des cercles universitaires. Et beaucoup de gens, il y a eu plusieurs articles dans des revues, se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui vient à contre-courant des idées dominantes sur la société de consommation, en quoi on va apprendre quelque chose de lui. Donc il a été là aussi, il a été assez mal lu, peu lu, et puis très vite critiqué. Et vous connaissez les techniques bien connues, quand les idées dérangent, on n'en parle pas. Ne pas parler de ces idées, elles n'existent pas, et Ruyère n'existe pas. On n'en parle pas. Le deuxième livre, il aggrave son cas, Les nuisances idéologiques. Alors, les nuisances idéologiques, ce n'est pas un traité sur les idéologies. Il y a eu plusieurs livres sur les idéologies. Ruyère
essaye de faire en première partie une sorte de, d'analyse. Qu'est-ce que c'est qu'idéologie? Comment on peut voir ce qu'est une idéologie? Quelles sont? Et la deuxième partie, c'est un catalogue des idéologies. Alors, il reprend pas mal d'idéologies à la mode et la lecture est très distraite. Enfin, la lecture de des nuisances idéologiques est assez intéressante parce qu'il passe en revue un certain nombre d'idées qui couraient à l'époque sur, enfin, un certain nombre d'idéologies qu'il critique parce qu'il les dénonce comme des nuisances. Alors, en conclusion, il essaie de s'intéresser, de trouver un intérêt à l'idéologie. Est-ce que l'idéologie aurait peut-être une attitude, enfin, pourrait produire quelque chose d'un peu plus positif et ne pas s'en tenir à l'aspect nuisance qui a été critiqué. Il y a eu certaines personnes qui ont dit il ramène l'idéologie à des nuisances, c'est pas normal. Bon, donc. Et alors, le troisième livre paru dans cette collection s'appelle Les nourritures psychiques. C'est un livre complètement original dont presque personne n'a parlé. Parce que d'abord l'idée de nourriture psychique ou de nutrition psychique Ruyère utilisait l'un l'autre d'une manière, sont synonymes pour lui. C'est une idée qu'il a élaborée pendant longtemps, depuis les années 50 il a commencé à élaborer cette idée de nourriture psychique ou de nutrition psychique, et il essaye de démontrer dans cette idée de nourriture psychique que l'homme ne vit pas seulement de pain, il n'y a pas que les nourritures matérielles, pas seulement d'idées pures, c'est-à-dire des nourritures spirituelles, mais nous vivons aussi de nourritures psychiques. Alors il donne des définitions de la nutrition psychique, qui est, alors d'abord, qu'est-ce que la nutrition psychique? Le mot psychique. Alors, vous avez, si vous allez voir dans le dictionnaire de philosophie de Lalande, ce vénérable dictionnaire, vous avez deux sens du mot. Un qui concerne l'esprit au sens phénoménal et empirique du mot, esprit, et l'autre qui concerne et constitue des phénomènes de comportement. Ils sont stéréotypés dans l'espèce ou dans la variété, mais dépendent de l'expérience antérieure de l'individu. Ça, c'est la définition du Lalande qui n'est pas très, très claire. D'ailleurs, il est dit dans la définition du mot que Pierre Janet, le philosophe, médecin qui avait créé le mot subconscient, n'était pas satisfait, critiquait le terme psychique qu'il trouvait barbare et au son désagréable. Ruyère définit le psychique comme une région intermédiaire, un territoire indécis, à mi-chemin entre le spirituel pur, le mécanique pur. Alors en gros, le spirituel pur, ce sont les idées. On est dans les idées, on apprend, on argumente à partir d'idées, que ce soit dans la science, dans l'art, dans la religion. Et puis le mécanique pur, pour Ruyère, c'est ce qui fait fonctionner l'organisme, c'est-à-dire les nourritures matérielles, ce qu'on mange, notre nourriture physique. Et lui, dit-il, on a tendance à ne voir dans la nourriture, dans la nutrition, uniquement cette partie nutrition du corps. Mais il dit, l'esprit se nourrit aussi d'idées pures, mais aussi de spectacles, de plusieurs divertissements. Il range dans la sphère du psychique ou dans la nutrition psychique les voyages, le tourisme, le sport, bien sûr, tout ce qui crée des contacts humains. Il inclut même dans la nutrition psychique la courtoisie entre les gens, la politesse. Et il va même au-delà, il dit, dénoncer les formules de politesse, ça a été à la mode pendant quelques années. On dénonçait la courtoisie, la politesse, une certaine forme d'élégance, tout ça, au nom de. Alors lui dit, regarde, c'est un snobisme des valeurs négatives. C'est-à-dire, on préfère les valeurs négatives, et par snobisme des valeurs négatives, on préfère critiquer la politesse, le débrailler. Ça serait. Alors que, précisément,
dans nos rapports tous les jours, ben on préfère, l'esprit s'alimente de cette nutrition psychique. Et regarde un autre exemple, il dit même l'esprit le plus éminent, il est pas spirituel pur, il est aussi psychique. C'est-à-dire que même un grand savant, un grand artiste, il n'est pas uniquement dans le monde des idées, il est aussi dans le monde des spectacles, il va manger, il va apprécier ce qu'il mange. Alors manger, c'est de la nourriture, mais il y a une manière, le fait de manger avec des amis, un repas, ça fait partie de la nutrition psychique, le contact humain. Donc, il dit que si l'esprit a besoin d'idées pures, la conscience ou la subconscience, on sera dans le domaine, cette zone intermédiaire, a besoin d'idées incarnées. Donc, nos habitudes, nos instincts font partie de la sphère psychique. Alors, la nutrition psychique, comme il démarre comme ça, l'homme ne se nourrit pas uniquement, pas seulement de pain, hein, c'est ce qu'on dit pour souligner l'opposition nette entre les nourritures du corps et les nourritures de l'esprit. Et donc, Ruyère insiste encore une fois en disant, entre les nourritures du corps et les nourritures de l'esprit, il y a des nourritures psychiques. Et il va plus loin, il dit que si on oublie la nutrition psychique, on rate quelque chose pour comprendre l'homme, l'esprit humain, enfin, comprendre l'esprit humain et la société. Parce que la société a besoin de ces nourritures qui alimentent l'esprit en sensations enrichissantes, en spectacles divertissants. Ces spectacles peuvent être toniques ou violents, en émotions. Donc ça, tout ça fait partie de la nutrition psychique, qui est un terme que, à ma connaissance, personne d'autre n'a vraiment utilisé. Il y a peut-être eu quelques allusions d'un lecteur de Ruyère ou pas, mais pratiquement le terme inventé par Ruyère, développé dans ce livre, a été peu utilisé. Et je crois que c'est une erreur, parce que ça nous permet de comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne une société, une collectivité, et même l'esprit humain. Alors, Ruyère va même plus loin, c'est-à-dire qu'il a une analyse assez fine de ce qu'est la nutrition psychique, parce qu'il dit à un moment, tout comme on peut avoir une intoxication alimentaire, on peut avoir des intoxications psychiques. Les spectacles violents. Par exemple, il donne un exemple qu'un enfant qui assiste à un viol, ou qui est lui-même violé, peut être marqué à vie. Donc ce sont là, on est dans le cadre de l'intoxication psychique, c'est-à-dire que son psychisme va être complètement perturbé et va avoir du mal à se remettre de cette expérience dramatique, enfin très forte. Et Ruyère dit que les intoxications psychiques peuvent être parfois plus graves que des intoxications, l'intoxication du corps, de l'aliment. Parce que, dit-il, l'anatomie générale, la physiologie, se répare assez bien, assez vite. On arrive alors que l'architecture psychique, elle, c'est beaucoup plus difficile de la réparer. Ça demande plus de temps, ça demande plus de travail. C'est ce qui a fait en partie le bonheur des psychanalystes, parce qu'ils ont pu profiter sur des problèmes, des maladies de leurs patients, ceux qui allaient voir pour essayer de résoudre leurs complexes, leurs névroses. Et donc, Ruyère dit que c'est plus difficile de réparer une intoxication psychique. Lui-même se méfie de la psychanalyse. Il dira que la psychanalyse est une fausse médecine. On pense guérir le patient de ses complexes, enfin toutes sortes de maladies qui peuvent. Mais en même temps, en fait, on élimine tout ça. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les solutions pour guérir. On dira, comme il dit, la famille, par exemple. C'est vrai que dans la famille, il y a des problèmes, la famille pouvait être perturbatrice, créatrice de névrose, mais c'est d'abord, il dit, c'est pas toutes les familles. Ensuite,
c'est on doit pouvoir reprendre ça, c'est-à-dire que par une éducation. Or, la psychanalyse ne nous aide pas à surmonter tout cela. Bon, on se retrouve un petit peu nu quand on sort d'une cure psychanalyse. Je ne sais pas, parce que je ne me suis pas fait psychanalyse, mais de ce que j'ai pu lire sur les résultats de la psychanalyse, et puis on voit bien que ça n'a pas, et elle ne répond pas vraiment aux besoins de nourriture psychique. Donc, voilà en gros les trois volumes qui, pour moi, constituent le cœur de la critique sociale. Cette critique sociale, à mon sens, c'est ce que j'essaye de démontrer dans le livre, elle démarre dès les années 30. Alors, il faut préciser que Cruyère est reçu premier à l'École normale supérieure et il va passer les 4 ans à l'École normale supérieure. La grande découverte de Ruyère à Normale Sup, c'est il lit Cournot. Et comme il dit, même à l'époque, Cournot n'était pas très très lu. Antoine-Augustin Cournot, mathématicien, philosophe, économiste et inventeur de la des probabilités, pas des probabilités. C'est celui qui a intégré la notion de hasard dans une analyse mathématique. Il a commencé à travailler sur ces thèmes au cours du 19e siècle. Et Ruyère découvre Cournot et tout de suite, il se prend d'admiration pour cet auteur qui lui aussi aujourd'hui est malheureusement bien oublié. Et Ruyère décide donc de faire sa thèse secondaire sur l'humanité de l'avenir selon Cournot. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humanité de l'avenir selon Cournot? Eh bien, Cournot part d'une distinction dans les sociétés entre les sociétés, disons, organiques et les sociétés mécaniques. Cournot dit que les sociétés sont à la fois des organismes, pas au sens vitaliste, pas. Cournot a écrit un livre sur matérialisme, vitalisme et rationalisme qui remet bien les choses au point. Les sociétés comme des organismes, c'est-à-dire, on dirait que c'est tout l'aspect instinctuel, émotionnel, irrationnel. Et les sociétés mécanistes, où il y a de la mécanique, seraient des sociétés où la raison prendrait le pouvoir. On gère, et le fait de gérer, on planifie, on organise la société. Donc, il y a une balance à chaque fois entre les sociétés, on va dire presque traditionnelles, et puis les sociétés rationnelles, en gros. Cournot ne donne pas tellement cet exemple. Mais alors, Cournot précise, il va plus loin, il dit qu'il observe une tendance vers nos sociétés, il écrit cela vers la fin du 19e siècle, il y a une tendance vers plus d'organisation, plus de rationalité, et que, en gros, la politique, l'histoire comme succession d'événements tragiques, de guerres, tout cela, ça va s'estomper au cours des siècles pour laisser la place à des sociétés de gestion, des sociétés qui vont être plus administratives. Il imagine même que il y aura les États ne seront, il y aura plus que il y aura plus des prises de pouvoir ou des coups d'État. Ça va se pacifier. Et cette évolution va nous amener vers une gestion administrative des choses. Et l'histoire ne sera plus qu'une chronique. On a nommé un tel comme telle personne est nommée comme directeur de l'économie, un autre directeur. Ça sera plus qu'une succession de gestionnaires qui organisent la société. Alors d'ailleurs, Cournot, en écrivant cela, prévient que ça sera pas une société, enfin très très séduisante. Ça sera même plutôt une société plutôt ennuyante. Enfin, il n'y aura plus de héros, il n'y aura plus de gens. Bon.
Alors, Ruyère prend le contre-pied de cette thèse en disant non, on ne peut pas penser ça parce que il reste. Au début, il semble accorder à Cournot le bénéfice d'une vision qui paraît aller dans le sens de l'histoire, on dira. Ni l'un ni l'autre ne pense à un sens avec un S majuscule de l'histoire. Mais ça va dans les évolutions de la société. Les sociétés occidentales vont vers une sorte d'organisation un peu plus rationnelle. Mais, dit Ruyère, les instincts humains, les passions, les émotions vont rester, ce qui font que les sociétés du futur ne seront jamais totalement rationnelles. Et d'ailleurs, il dit que la politique n'est pas et n'a jamais été rationnelle. Et alors c'est là qu'il dit que si on ne comprend pas cela, c'est parce qu'on a une méconnaissance de la nutrition psychique. Donc vous voyez le lien qui... Mais à l'époque, il ne parle pas encore de nutrition psychique en 1930. Mais il y a déjà dans la pensée de Ruyère une idée qui a été orientée par Cournot sur l'évolution des sociétés humaines, le futur des sociétés humaines. D'ailleurs, la thèse s'appelle « L'humanité de l'avenir selon Cournot ». Et comme dit Ruyère en avant-propos pour présenter sa thèse secondaire, il dit « Cournot n'a pas parlé de l'humanité de l'avenir ». Mais il y pensait souvent, et il explique que, dans les textes de Cournot, les considérations, le traité sur le fondement de nos connaissances, des textes un peu, aujourd'hui, assez, d'abord peu accessibles, quoi que s'il y a eu une réédition aux éditions Vrin, donc on peut trouver une. Mais, c'est pas d'une lecture facile, quoi. Il faut rentrer dedans, il faut faire un effort, ça demande un effort. Et donc, Ruyère commence à inspiré par cette idée d'humanité de l'avenir, commence à s'intéresser à cela. 20 ans plus tard, en 1950, il publie « L'utopie et les utopies », qui reste un livre qu'on peut lire encore, de référence sur le thème de l'utopie, donc il définit ce que c'est le genre utopique, l'utopie, et pareil, dans la deuxième partie, il donne des exemples de différentes sortes d'utopies. Et une chose intéressante dans sa pensée, c'est qu'il dit, il explique que, en général, les utopies jusqu'au XIXe siècle décrivaient des sociétés idéales dans le passé. Et à partir justement du XIXe siècle, la croyance au progrès, on va continuer à découvrir tout. À la fin du XIXe siècle, on pensait qu'on avait tout découvert, on avait tout compris, on savait tout sur l'univers, sur la Terre, sur la science. Et donc, les utopies se situent dans le futur. Et Ruyère, qui a beaucoup lu dans ses livres, il raconte, il lisait beaucoup de choses de science-fiction, ça l'intéressait pour voir comment on perçoit l'avenir de nos sociétés. Comment les écrivains proposaient des modèles de société future. Donc ça, c'est l'utopie des utopies. Et puis, bon, les idées de Ruyère mûrissent un petit peu, et on arrive donc à mai 68, qui est le déclencheur de ce que j'appelle le cœur de la critique sociale de Ruyère. Ensuite, Ruyère va continuer, après la gnose de Princeton, il va publier Les 100 prochains siècles, un livre en 1977 que je définis comme étant l'humanité de l'avenir selon Ruyère, tout comme il y avait l'humanité de l'avenir selon Cournot. Ça, c'est Les 100 prochains siècles sont l'humanité de l'avenir selon Ruyère. Et alors, Ruyère joue un petit peu encore sur le succès ambigu de la gnose de Princeton, puisqu'il prend ça, il présente cela comme étant des réflexions sur l'avenir des sociétés par les gnostiques de Princeton, qui bien sûr, on le sait, n'existent pas. Les physiciens, biologistes dont parle Ruyère dans la gnose de Princeton existent bien. Ce sont des livres, enfin, ils sont des auteurs de livres. Il en cite quelques-uns dans la bibliographie de la gnose de Princeton, mais eux, il a lu ces livres-là.
Mais en fait, comme je vous disais, la gnose de Princeton repose, ce sont principalement les idées d'Hoyer qu'il fait passer dans ses discussions avec ses auteurs américains, la plupart du temps, des physiciens, des biologistes, parce que Hoyer avait une connaissance assez encyclopédique, enfin très très avancée, des résultats de la science. Et donc, il discute, la gnose de Princeton, c'est ça. Ensuite, il va évoluer un petit peu plus vers le politique ou la politique, et ça va donner un livre un peu plus polémique, disons, qui s'appelle « Le sceptique résolu ». Dans « Le sceptique résolu », sous-titré « Face au discours intimidant », alors il vise là directement les discours de la gauche qui s'autoproclame le camp du bien. Nous, on est du côté du bien, vous êtes du côté du mal, la droite serait du côté du mal. Et Hoyer démonte un peu tous ces discours, et sa conclusion est il ne faut pas se laisser intimider par ces discours-là. Donc, il y a un petit espoir, un énorme espoir. Mais ça repose sur une argumentation, sur l'idée que, sur une conception de l'être humain, de l'homme. Donc, vous voyez, c'est très, très fondé, je dirais, philosophiquement. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu toute cette réflexion philosophique d'Hoyer qu'il peut avancer dans un domaine, la politique, par exemple, où il n'est pas forcément, comme il dit, il n'est pas spécialiste. Hoyer n'a jamais été militant. Il ne s'est pas inscrit à un parti politique. Il ne s'intéressait pas à la politique, j'allais dire politicienne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'opinion politique. Et la preuve, c'est qu'il les exprime dans ses livres. Donc voilà un petit résumé de ce qu'est la critique sociale de Hoyer. Et alors, pour conclure, je dirais, je crois qu'on peut encore, avec bénéfice, lire la critique sociale de Hoyer. Elle reste d'actualité, c'est ce qui est surprenant. C'est un auteur qui écrit donc entre 1930 et 1980, disons, pour faire un grand trait. Les idées, en particulier sur la critique sociale, mais même ses idées de philosophie biologique, restent encore d'une étonnante actualité. Et on peut expliquer ce que nous vivons aujourd'hui en lisant Hoyer, qui a prévu un certain nombre de choses qui vont se passer, qui vont arriver. Donc voilà, si j'ai répondu à votre question sur... Merci, merci beaucoup. J'ai deux questions pour vous. La première, comment expliquez-vous Hoyer meurt en 1987. Mm-hmm. Donc, c'est très simple. Disons que, voilà, juste avant ma génération, moi je suis de 86. Mm-hmm. Moi je suis historien des idées politiques de formation première. Mmh. Et parmi les multiples choses que j'ai fait depuis, j'ai fait de l'édition et parfois de la réédition d'auteurs rares. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que, particulièrement dans la seconde partie du XXe siècle, un penseur ne disparaît pas comme ça. Une œuvre disparaît parce que soit elle a un facteur endogène d'incompréhension à son époque, c'est pour ça souvent qu'elle passe une ou deux générations. Le cas typique, c'est tous les 3-4 ans en sciences humaines, on redécouvre un auteur. Mmh. Vous avez eu par Julien Freund la redécouverte de Carl Schmitt dans les années 80. Mmh. Vous avez eu ensuite la redécouverte de Carl Schmitt par la gauche, ça c'est les Chantal Mouffe dans les années 2000. Mmh. Vous avez
Vous avez, vous avez par exemple les nouvelles exégèses sur Ortega y Gasset qui sont relativement récentes, etc., etc. Donc tous les à peu près 3, 4, 5 ans, on redécouvre un auteur de sciences humaines. Ça, c'est généralement c'est par facteur endogène, c'est-à-dire l'œuvre ne colle pas à son temps et donc elle attend un temps qui lui colle. Bon. Et souvent, c'est par des disciples dévoués, etc., que ça finit par passer. Soit il y a un facteur exogène de l'œuvre, c'est-à-dire qu'à un moment, par jalousie universitaire, par problème avec des puissances, soit politiques, soit d'argent, un moment, on met les dredons sur une œuvre. Généralement d'ailleurs, le temps du vivant de son auteur, pour se dire, en se débarrassant de l'un, on se débarrassera bien de l'autre. Qu'est-ce qui a fait que je l'avais noté quand j'ai commencé à feuilleter l'ouvrage, vu que je l'ai eu hier, la vague d'exégèse sur Ruyère, elle arrive au milieu des années 90 et elle repart à la fin des années entre 2000 et 2010. Qu'est-ce qui, pour vous, a fait que son œuvre a disparu pendant 25 ans? Un peu moins de 25 ans. Mmh. Oui. Alors, je ferai une réponse de Normand, je vais vous dire les deux. C'est-à-dire, premièrement, les livres de Ruyère ne se donnent pas comme ça. Ça demande, je dirais, un effort, une lecture attentive, on va dire, sans parler d'effort, mais une lecture un peu attentive à ce qui est écrit. Attention, contrairement à beaucoup de philosophes, Ruyère ne jargonne pas. Mmh. On n'est pas dans les vocabulaires spéciaux, les langages abscons de beaucoup, malheureusement trop, de philosophes. Il ne jargonne pas, mais comme il est précis dans son expression, il invente parfois des concepts qui déroutent. Je me souviens que quand il a parlé de l'idée de survol absolu, la conscience serait une sorte de survol absolu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Alors, il a passé son temps à essayer d'expliquer comment, mais ça demande une certaine attention. Je me souviens que Lacan plaisantait là-dessus. Hein. Enfin, visiblement, Lacan n'avait pas compris ce que voulait dire Ruyère. Et alors, je répondrai aussi, c'est que malheureusement, la philosophie comme les sciences humaines sont victimes de modes. Il y a des modes. Et Ruyère n'a jamais été à la mode. Et donc, ce que vous disiez au départ, on n'en parle pas, il n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est ça demande un effort, ça demande une lecture attentive, une disposition pour lire tranquillement, comme, je dirais, comme Cournot. Cournot, il a disparu aussi de l'horizon philosophique. Quand vous regardez le volume « L'histoire de la philosophie » de l'Encyclopédie de la Pléiade, dirigé par Alain Bellaval, Yvon Bellaval. Le court chapitre sur Cournot, c'est vraiment un résumé succinct de l'œuvre de Cournot. C'est-à-dire, ça permet de connaître un petit peu Cournot, mais c'est tout. Et donc, c'était peut-être le but aussi de l'encyclopédie, de ce volume de l'encyclopédie de la Pléiade. Alors, dans le cadre hier, il y a cette volonté de l'ignorer. Je dirais, d'abord, c'est un provincial. Il a refusé deux fois un poste en Sorbonne. Et ça, on ne lui a pas pardonné non plus. Qu'un philosophe de province ose refuser un poste à Paris, c'était incompréhensible. Donc, il y a peut-être eu ça aussi qui a joué. Et malgré celui qui a fait beaucoup de... Merleau-Ponty a reconnu dans ses cours au Collège de France, il fait un cours assez important sur la nature au Collège de France, et il marque dans ce cours
sa dette vis-à-vis des idées de Bruyère, mais qui lit encore le cours sur la nature de Merleau-Ponty, qui lit encore même Merleau-Ponty. Celui qui a fait beaucoup pour diffuser un peu la pensée de Bruyère à la fin des années que vous citiez, fin des années 80, c'est Gilles Deleuze. Quand vous tapez, vous verrez, il y a plein de... Tapez Gilles Deleuze, il y a beaucoup de références à Bruyère. Il était parfois des incompréhensions aussi, mais enfin, Gilles Deleuze a parlé de Bruyère. Mais c'est à peu près le seul, il n'y en a pas d'autres. Donc, il y a ce premier point. Et puis, le deuxième point, c'est effectivement, les idées de Bruyère dérangent. Il n'est pas dans le sens du vent, il va à contre-courant quand même de pas mal d'idées à la mode, et donc on préfère l'ignorer. Je pense que c'est ça, la réponse, enfin, les deux réponses qu'on peut faire à votre question. Et dernière question. Aujourd'hui, est-ce que, là on va entrer en pleine actualité, Bruyère était un homme qui voulait faire dialoguer science dure et philosophie. Là, nous avons vécu un épisode collectif assez traumatisant où on a vu une incompréhension à peu près totale des sciences humaines et des sciences dures. Bon. Mm-hmm. Tout ce qui a été gestion épidémique, où pendant 2 ans, tout le monde, et à peu près dans tous les pays du monde, s'est balancé des chaises à la figure, personne n'ayant, d'approche même vague de l'éthique intellectuelle de la science de l'autre. Est-ce que, pour vous, ce qui est arrivé illustre la nécessité de la démarche de Bruyère, ou on illustrerait la limite, c'est-à-dire que finalement, est-ce que un dialogue particulièrement philosophie-sciences dures est encore faisable aujourd'hui, où la plupart des sciences dures, biologie, physique, ont implosé, où elles sont aujourd'hui sur-spécialisées, à tel point d'ailleurs que, prenez un exemple simple, là nous l'avons très bien vu, les épidémiologues et les autres types de chercheurs en médecine ne se comprennent pas, et les chercheurs en médecine non praticiens ne comprennent pas les médecins. Vous voyez, on est pourtant dans un corridor assez réduit. Alors, est-ce que pour vous, ce qui est arrivé illustre soit la nécessité de la démarche, soit l'impossibilité de la démarche sur laquelle Bruyère avait parié? Alors, ben je répondrai d'abord par la nécessité de la démarche. Il n'y a pas d'impossibilité à ce niveau-là. Mais vous savez que les rapports entre la science et la philosophie, à part dans les grandes époques classiques, je dirais, si vous prenez, Bruyère d'ailleurs s'inspire de cette tradition des grands philosophes, Aristote, Descartes, même on pourrait mettre Pascal, Leibniz, Kant, étaient des gens qui connaissaient la science de leur temps. Il est vrai que à partir de Kant, il y a un décrochage entre la science et la philosophie. C'est-à-dire que la science devient un exercice plus littéraire, la philosophie, pardon, devient un exercice plus littéraire, et comme les sciences se développent, le développement des sciences a continué jusqu'à la parcellisation, hein, que vous citiez. En fait, c'est ça, le fait, c'est que chacun est spécialiste dans son petit domaine. Et il devient le spécialiste de rien, d'un tout petit domaine, et il n'est même pas capable de faire la synthèse de tout cela. On disait, par exemple, si je prends le domaine des mathématiques, vous prenez, on disait que Henri Poincaré est le dernier mathématicien qui savait tout de la mathématique de son temps. Aujourd'hui, un mathématicien, c'est très difficile pour lui de maîtriser tous les domaines de la mathématique. Donc, il y a cet aspect-là. Je crois qu'il y a aussi, donc il y a une certaine condescendance des scientifiques qui s'est amplifiée depuis le 19e siècle vis-à-vis des philosophes. Il faut dire que c'est un peu la faute des philosophes qui n'ont pas fait l'effort. Les philosophes sont restés dans la littérature et ça, enfin dans des exercices
linguistique, rhétorique, disons. Et pour les scientifiques, ça paraissait vain. Ça n'avait aucune signification, ça n'aidait pas à comprendre le monde. Alors qu'ils étaient dans le dur, ils étaient dans les choses, dans les faits, dans la réalité. Les philosophes, c'était un peu de doux rêveurs. Bon. Et donc, effectivement, ça n'a pas aidé. Mais en plus, ce qui n'a pas aidé, si pour compléter votre analyse à ce que vous dites, je dirais que les scientifiques non plus ont perdu, au cours de leur formation, au cours de une vision un peu générale, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les références, ce qu'on appelait autrefois la culture générale, ou la culture de l'honnête homme, c'est-à-dire une ouverture sur des champs qui permettent de remettre un petit peu tout en place. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se spécialiser sur un thème, sur un sujet, mais si on perd de vue l'ensemble, qu'est-ce que c'est qu'une société, on risque de ne plus avoir de perspective, de vision d'ensemble. C'est ce que Ruyère voulait essayer de maintenir. Je vous dis, Ruyère voulait s'inscrire dans ce courant des philosophes qui étaient à la fois qui connaissaient la science et qui réfléchissaient aux conséquences de la science. J'ai mentionné Leibniz, Kant, mais il y a aussi à l'époque de Ruyère, enfin un petit peu plus avant, c'est l'anglais, le philosophe anglais mathématicien Whitehead, qui lui aussi sait conjuguer science et philosophie. En revanche, chez les scientifiques, il y a peu d'études de sciences humaines, peu d'études de philosophie, et donc ils n'ont pas cette vue qu'ils devraient avoir, à mon avis, pour mieux comprendre la science. Ils s'enferment assez vite dans des dogmes, oui, ça, ce qui donne le scientisme. Ce qui donne le scientisme, tout à fait. Professeur Jacques Carbou, je vous remercie énormément de la présentation de ce livre, La critique sociale de Raymond Ruyère, aux éditions du Verbe Haut. Chers amis du Cercle Aristote, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous soutenir. Don page Tipeee, don déductible, la fin de l'année arrive. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas, pour nos camarades de Nancy, à faire un tour à la merveilleuse librairie des deux cités et à découvrir à la fois l'élève Jacques Carbou dans cet ouvrage et le maître Raymond Ruyère. Pour le coup, à quelques exceptions près de rééditions récentes, vous le trouverez dans le marché de livres de seconde main pour la plupart. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.